Salutations voyageurs, nous nous retrouvons dans la suite de notre grande aventure sur l'ordre du Phénix, bien sûr, et on va aller chercher les membres pour l'AD. Ça va bien se passer, hein. Ah! Nick quasi sans Monsieur tête? Weasley, êtes-vous allé dans la salle commune dernièrement? Votre sœur Ginny semble préoccupée par quelque chose. Ah, il faut aller parler à Ginny, incroyable. La future femme d'Harry Potter, mais Harry Potter n'est pas au courant. Ah, attends, faut réparer une merde. Hop là. Harry Potter, réparateur de l'extrême. Et voilà ma gueule. Bon, faut trouver Cho Chang pour faire du pépon. Pour le plaisir avant tout. Harry Potter a failli faire un petit suicide. Salut la grosse dame. Dépêche-toi à escalier. Je menace l'escalier avec ma baguette. Ah oui, mais c'est volontaire, hein, le Phénix. Je sais que c'est l'ordre du Phénix, mais je dis Phénix parce que c'est rigolo. L'ordre du Phénix. Eh oui, eh oui. J'ai des choses à te montrer dans notre salle Ah d'accord. secrète. La caméra est mal cadrée. Je dirais ce que vous faites. La caméra est mal cadrée. Bah oui, c'est un jeu de mots. Allez, par là, chaud. Chaud, chaud. Oula. Blague avortée. Attends, il n'y a pas un truc à réparer là, j'ai vu dans le coin là. Bien sûr que oui, il n'y a que des trucs à réparer. On progresse, hein. Attends, j'ai une Incendio maintenant. Est-ce qu'on peut cramer les trucs là? Incendio. Ah non, bah Wingardium Leviosa. Elle veut ton Phénix, bah oui. On va y arriver, hein. Hop là. Harry! Fais un effort, Harry! Ah, je vais trop vite. Désolé, je vais trop vite. Bonjour, tu veux rejoindre l'AD? Attends. Ah. Bonjour à toi aussi. Bonjour, veux-tu rejoindre l'AD? Ah, salut, Mimi. Il y a de nouveaux objets dans notre salle secrète, Harry. C'est bien Mimi. Elle aussi, elle veut mon pénix, mais malheureusement, j'ai pas de pénis fantôme, du coup ça va être dur. Bonjour, voulez-vous rejoindre la D? J'aimerais être aussi forte que toi au Quidditch. C'est pas possible. Parce que tu es une dame. Ah. C'est pas possible d'aller par là. Oh, pouf! Pardon, pardon, et Ron, j'ai emprunté ta femme. Salut. Salut. Malheureusement, elle est morte. Comment ça? De quoi tu parles? Bah, et je peux rien faire au cochon là? Bon, je peux rien faire au cochon. Ah oui, tu parles de Mimi Géniard, j'avais oublié qu'il y avait un décalage avec le stream. Attends. Hop là, hop là. El Chardo d'assaut. C'est Anthony, non? Allons lui parler. Salut Anthony, c'est exactement toi que je Salut cherchais. Harry, il paraît que t'as trouvé un endroit pour les réunions de l'AD. Quoi? C'est censé être un secret! Du calme, QE? c'est Neville qui l'a dit à Ernie et Ernie me l'a répété. On se retrouve là-bas alors. Comment trouve-t-on la salle sur demande? Tu vas au 7e étage et tu penses très fort que tu veux trouver cette salle sur demande. La porte apparaîtra. D'accord. Je sais pas si Terry et Michael le savent. Il faudrait leur dire. À plus tard. À plus tard, mon gars.
Bon, il faut trouver Cho. Bonjour. Salut. Salut. Tu veux rejoindre la salle sur demande? Salut. Ah, pas de dialogue. Salut. Potter pue. Bonjour. Nique ta mère. Ouais. Ombrage est la meilleure. Mais calme-toi, pourquoi... Repulso. Je n'entends plus mon rappel tout. Quelqu'un sait où il est? Ça marche pas comme ça, le rappel tout. Ta-ta-tom, ta-ta-tom, ta-ta-tom. Oh, salut. C'est vrai tout ce qu'ils disent sur toi dans la gazette? Ma grand-mère dit que t'es fou. La ferme. La ferme. La ferme. Ah, la caméra, vraiment, ça, quel plaisir. Ça va, là, ah oui, ça, c'est vrai. Regarde, il y a des sorciers qui jouent aux billes, là. Regarde, ça joue aux billes. Incroyable. J'entends des rageux. Ah vraiment, la caméra m'aide pas. Hein. Plus ridicule que 2%. Voilà Terry. On devrait aller lui parler de la réunion. Ah Terry. Viens. Bonjour Harry. Il paraît que t'as trouvé un endroit pour les réunions de l'AD. Mais tout le monde est au courant. Tout le monde connaît notre salle secrète apparemment. Tu as vraiment tué un basilic avec l'épée qui est dans le bureau de Dumbledore? T'as 3 jeux de retard quoi. Pas les épées. Ah bon? Je sais pas si Michael et Anthony, ça vous se passe la réunion. Il faudra les prévenir. A plus tard. Anthony, c'est fait. Wingardium Leviosa. Alors là, je m'appelle Harry. Je suis un sorcier. Alors là, c'est la passion du jeu vidéo. J'en ai marre. J'en ai marre. Bizarre, j'en ai marre. C'est hyper drôle, j'ai pas entendu la blague. Attendez, 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 attendez. Hop là, voilà, ça passe. Ça passe. Ah, c'est bon, on est libre. On va pouvoir explorer le monde d'Harry Potter. En avant. Là, je peux plus courir. Ah, c'est là que Hermione a mis une droite à... Comment il s'appelle? À Malfoy. Malfoy. Attends, on pouvait prendre une fleur? C'est Amoli, d'accord. Allez, de l'autre côté. Cho, j'arrive. Ah bah oui, elle est là où il y a les hiboux. Logique. Ah bah oui. Ah bah il va se passer une scène incroyable. Ah, on va pécho, regardez bien. Restez là, les gars. Restez là, s'il vous plaît, je veux pas me faire cuck. Restez en arrière, s'il vous plaît, arrêtez de me suivre. Là, y a un malaise, là. Malaise. Salut. Salut. Tu veux voir ma collection de cartes des sorciers? Tu veux voir ma collection? Le mec, il drague comme ça, quoi. Salut, Harry. Salut. Ah, bizarre, je savais pas que t'étais là. Tu es venu ici par hasard, comment ça va? Dehors, au cas où Ruzard passerait dans le coin. Oui, oui. Ruzard est dans les cachots. Les premières années, on t'a des pastilles de gerbe. Et on s'allie. Ah. Dehors, Ron. Ah, merci, Hermione. Elle est pas bête. Ron, franchement. Hé. Hey.
Merci Hermione pour la passe D. Madame, comment allons-nous vont Salut Harry. Tu vas bien? Oui. Alors, Gryffondor a trouvé un nouveau gardien? Oui, c'est mon ami, Ron Weasley. Celui qui aime pas les tornades? Oui. Tu envoies un colis? Oui, pour l'anniversaire de ma mère, mais j'ai oublié d'indiquer l'adresse. Et le hibou s'est envolé là-haut et refuse de redescendre. Je m'en occupe. Ah bah nickel. Alors là, regarde bien le show. Tu vas voir là, le plus grand sorcier de cette terre. Attends. Attends. Attends, là, je maîtrise. Ah, il faut pas utiliser la baguette en fait. Écarte-toi. T'inquiète, hein, je maîtrise la situation. Bouge de là. Enfin, je veux dire, reste à distance. Regarde. Je suis un grand sorcier. Oh, regarde-moi bien. Viens ici. Ah ouais, presque. Putain, elle m'encourage. Incroyable du cul. Ah, de rien, madame. J'espère une récompense quand même à la fin. Prends ton temps. Quel enfer. Tu veux pas te bouger un petit peu? Le jeu est en train de mourir quoi. Là c'est l'avenir du jeu vidéo. Ah! Continue Harry. Insupportable, je la déteste de plus en plus. Essayons un réparo sur ce rebord. Ah oui. Tu crois qu'on peut lancer un réparo sur ce rebord? Non mais c'est bon, répète-toi pas. Je maîtrise la situation, t'inquiète. Et voilà. Tu es fort en sortilège, Harry. Merci. Merci. Ça fait beaucoup de compliments en si peu de temps là. Hey. Je crois que tu peux l'attraper. Hein. Je crois que tu peux l'attraper quand même. Bah non, bah dommage. T'aurais pu l'attraper. J'en ai un, mais il est un peu extrême, quoi. Avada Kedavra. Attends, là, il y en a un troisième, là. Ah bah oui. Ah bah non, il y en a trois, bah forcément. Oh mais quel enfer. Ce bisou, je le mérite, hein. On va l'avoir, ce hibou. Oui. Je vais l'avoir. J'ai rien contre toi. Bah non, j'ai rien contre toi non plus, mais bon. Oh, le hibou, il veut pas, hein. Je crois que ce hibou me déteste. Merci, Harry. C'était très gentil de ta part. Avec plaisir. J'aime bien être avec toi, Harry. Oui, merci. Enfin, moi aussi. Je me demandais si... Oui. Est-ce que tu pourrais amener Marietta à la réunion avec toi, dans la salle sur demande? Ah, oui, d'accord. Super. Alors, à plus tard. Ouais, à plus. Alors, raconte. Mais où mon bisou? Alors, quoi? Oh, rien. Parfois, tu es incompréhensible, Hermione. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une cuillère à café, Ron.
Bah, incroyable. Je vais pas vous dire que je suis déçu, je suis extrêmement déçu. Bon bah tout ça pour rien. Ah oui, pour rien carrément. Ah, Luna Lovegood, incroyable. C'est elle la best waifu en vrai. Elle est trop bien, Luna Lovegood, quoi. Quand j'étais petit, j'étais amoureux. Ok, on peut pas encore. Ah, ça on peut par contre. L'arbre à la con là. Incendio, allez! Allez! Au secours! Cramez-le! Cramez-le! Ah, il faut 4 personnes pour brûler cette plante. Ah, mais non, mais c'est pas acceptable. Mais ouais, quand j'étais enfant, Luna Lovegood, ouf. Mon dieu, mon cœur battait, quoi. Ok, c'est par là. Ok, elle est là-bas. Bon, on va parler à Hagrid en même temps. Hein, vu qu'on n'est pas loin. Voilà Ernie. On ne lui a pas encore parlé de la réunion de l'AD. C'est pas Ernie que je viens voir, moi. Hé, Ernie. On a trouvé un endroit où l'AD peut s'entraîner. Désolé, je ne peux pas venir. Je dois d'abord terminer mon devoir pour Rogue. Vous avez fini le vôtre? Lequel? Vous savez, on doit trouver les ingrédients pour la potion de demain. Oh, Harry, tu ne les as toujours pas trouvés? Et quand est-ce que j'aurai eu le temps? J'ai tous mes autres devoirs, les retenues d'ombrage et notre entraînement de défense contre les forces du mal. Pas la peine d'être aussi agressif. Bon, trouve 5 mollies et une racine de mandragore. Moi, je me charge des autres ingrédients. Et où est-ce que je suis censé trouver tout ça? Le professeur Chourave a des mandragores dans la serre de botanique et les mollies poussent dans le parc du château. Et il n'y a qu'à les chercher. Elle sait vraiment tout, surtout. Bah, nickel. Tu vois ces mollies machin truc, Harry? Ce n'est qu'un molly, Harry. Il en faut 4 autres. Ah, c'est ça, un molly? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma potion au dernier cours, alors? Ron! Pas étonnant que ta potion soit devenue orange. C'était mieux que Goyle. Lui, il a fait un gros trou dans son chaudron. Hagrid. Hagrid. Il est peut-être pas loin. Hein. On a quand même défoncé la porte d'Hagrid. Hein. Bah d'accord. On va aller parler à Luna. Oh, salut Ron. Tu es venu nourrir les sombrales? Les sombrales? Là-haut. Luna, on a trouvé un endroit pour les entraînements de défense contre les forces du mal. Je dois d'abord nourrir le bébé sombral.
mais il est très timide. Il ne s'approchera que si les adultes viennent d'abord. D'accord. Nourrissons-les. Il faut apporter la viande tout en haut de la clairière. C'est moi où on me donne des tâches, là? C'est moi où on me donne des tâches au fur et à mesure du temps? C'est de la viande, ça? Beuh. Besoin d'aide? On va y arriver, hein, pas de panique. Non! Harry! Ah, c'est bien de la viande, cette cochonnerie, là. Attends. Bah, elle est où, ma viande? Elle était là, il y a 2 secondes. Ah bah, parfait. J'aimerais beaucoup. Non! Non! Incroyable du cul. Non. Si on apporte la viande au sommet, on aura du On n'y arrivera jamais. C'est moi ou tu me manques de respect là, Luna? J'ai besoin d'aide, malheureusement vous êtes nul à chier. Tous autant que vous êtes. Voilà, sur le petit caillou là. Non, le jeu c'est de la merde. 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 Wingardium Leviosa. L'avion sans. Non mais pas ça, pas ça. Oh, j'en peux plus. Ouais, mais regarde-moi la caméra, bordel. Incroyable. C'est un putain de poney démoniaque, ton machin, là. Tu penses pouvoir venir à la réunion de l'AD? Vas-y, à toi de choisir.
Comment ça, à moi de choisir? Elle est timbrée. On a vraiment besoin d'elle. On a besoin de tout le monde, en fait, pour finir le jeu, je crois. Bon, faut trouver des fleurs pour l'autre monsieur. On en a déjà trouvé beaucoup. Voyons qui il reste. On les trouvera avec la carte du marché. Mais c'est quoi le carré là? C'est juste pour parler à mes compagnons, mais quelle idée? Pourquoi je parlerai à mes compagnons? Je suis sûre que le professeur Shurav a dit qu'il y avait des mollies par ici. Bien, il ne nous en manque plus que trois. Plus que trois, incroyable. Là-bas, il y en a une, je la vois d'ici. Génial, Harry. Il ne nous en manque plus que deux. Même si Harry et moi, on n'a pas pris arithmancie, Hermione, on sait compter jusqu'à 5. Ok, plus qu'une après celle-là. Il doit y en avoir, quoi. 4. Mais il nous en faut une de plus. Il y en a une là-bas. Tu vois ces mollies, machin truc, Harry? On a tous les mollies, mais il faut encore trouver la racine de Mandragore. Rogue ne donne jamais de devoir facile, hein. Il faut qu'on aille à la serre de botanique. On ira après, on va d'abord aller faire d'autres recrutements entre temps, quoi. On ira à la serre quand on passera devant, quoi. Coucou, Harry. Coucou. Encore la strat du télescope, quoi. Tu veux pas venir voir mon télescope dans ma chambre? C'est agréable quand même de se balader un peu. Je suis très critique sur le jeu, en même temps il n'est pas très agréable à jouer. Mais c'est agréable de se balader dans Poudlard. Voilà. On attend. À ton avis, c'est quoi la réponse? Je peux jeter un coup d'œil. C'est grand quand même Poudlard. Hein. Là voilà. Beau gosse. Ça va? Salut. Ok, c'est là en fait le tableau. La dernière fois j'avais pas vu. Mais là j'ai vu. J'ai aperçu. Thank you.
Ça c'est en haut à gauche. Voilà. Et le dernier, il est où? Wingardium, les vieux ça. Wingardium. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouf, ça lag un peu. Je vais y arriver, hein. Voilà. Monte-le, s'il te plaît. Monte. Harry Potter, monte ce putain de tableau. Et voilà. Attention. Bah oui, voyons, monsieur le fantôme, là. Attention. On peut pas le faire là-dessus. Apparemment non. C'est Michael Corner, non? Michael. Monsieur Corner. Salut, c'est vrai qu'il y a une réunion de l'AD? Crie le plus fort. Je crois que Malfoy n'a pas entendu. Désolé, j'ai hâte de commencer. Je sais pas si Terry et Anthony le savent, il faudrait leur dire. On les a déjà prévenus. Je le dirai à Ginny si je la vois. On se voit à la salle sur demande. Bien, on a déjà rayé de la liste Michael Corner, Anthony Goldstein et Terry Boot. Il fallait vraiment parler de la D à tout le monde, Hermione. Tu devrais être content que tant de gens veuillent participer. Même si Michael ne serait probablement pas venu si Jenny ne sortait pas avec lui. Elle quoi? Nani? Et depuis quand? Ils sont ensemble depuis la fin de l'année dernière. Il me plaît pas. Tiens, c'est étonnant. Ok, ils sont 10 sur 28, c'est déjà pas mal. Jenny Westline. Attendez, où nous? On est vraiment pas loin en vrai. Vas-y, madame Anna, on arrive. Anna, on arrive. Ah, moi aussi je suis fatigué, hein. La vie est dure pour tout le monde, madame. Salut. Salut. Mais pourquoi tu me parles? Ah bah c'est toi. Salut Anna. Qu'est-ce que tu fais? Je dois réfléchir. Me souvenir. Oh, j'aurais jamais fini mes révisions. On peut au moins t'aider dans une matière. On a notre première réunion de défense contre les forces du mal. Une réunion? Mais Ombrage a interdit les clubs. Elle nous verra y aller. Je raterai mes buses. Je serai renvoyée. On sera tous renvoyés. Tout va bien. On va utiliser un passage secret pour se rendre à la réunion. Ah bon? Il est où ce passage? On te le dira. Viens, Harry. Ok. Du coup, c'est fait. Tu peux me dire où est ce passage? Tu devais pas réviser tes sortilèges? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Flitwick a dit? Ah, mais en fait, c'est une balance, elle.
La Fayotte, hein, bien sûr. Elle classique. On n'a plus qu'à trouver un passage secret vers le 7e étage où Anna ne viendra pas. Il y en aura bien quelque part dans le grand escalier. Allons voir. J'ai mis du temps quand même à comprendre qu'elle allait balancer. Hein. Pourquoi t'es méchant? C'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil, voyons. Ah bah ça parle mal d'Hagrid. Voilà Suzanne. On devrait aller lui parler de la salle sur demande. Qu'est-ce qu'il fait avec Crabbe et Goyle? Tu te prends pour une reine parce que ta tante est au ministère? Mon père dit que ta tante est une fouineuse. Il faudrait lui donner une bonne leçon. Fichez-moi la paix! Ouais, le professeur Rogue sait à quel point Potter est un crétin. Alors attends. Ok, elle est là-bas. Alors, permettez-moi. Harry! Hermione! Ron! Hé! Harry, viens m'aider! Oh, regardez, ils viennent sauver leur copine. Allez, viens, Potter! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment on va passer? Tu dois utiliser ta baguette. Occupons-nous d'eux. Là, tout de suite, là, devant tout le monde, là, la baguette, là. Je la sors, là. Ah, tu parles... Ok, tu parles de l'autre. Ok, d'accord. Désolé, hein, des fois, j'ai des troubles. Run. Expelliarmus, Uli. 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 Vous voulez faire les malins? Ta dracaille. Ah, ah, je me fais ma rave. Oh, j'ai été vaincu. Infirmerie. Incroyable du cul. Ça va, Harry? Ouais. Ouais, ah, ouais, je viens de me faire humilier, là. T'étais pas au courant? Faut aller se venger tout de suite, hein. Pas acceptable. J'espère qu'il bouge pas. Hein. La vengeance est un plat qui se dévore immédiatement. Hein. J'arrive plus à bouger. C'est bon. Parce qu'il est en mouvement, j'imagine. Une journée pour apprendre. Encore en pleine avance. Le rez-de-chaussée. Alors là, là, je me permets là. Et si tu l'as fermé? Une chance que le choix paume est envoyé à cette porte. Salut! La vengeance. Run. Boum. Protego, mon gars. Boum. Alors, bolos. Ah. Non, me touche pas, ma personne est sacrée. Protego. Boum. Bah alors, bolos. Et voilà, la vengeance. Merci, vous avez été géniaux. C'est bon, tu en aurais fait autant pour nous. J'aimerais non. être aussi forte que toi en duel. Alors tu devrais venir bonsoir, à notre non. de l'AD. C'est au 7e, dans la salle sur demande. Super, merci. On lui explique pas comment on trouve la salle sur demande. C'est un détail de l'histoire, j'imagine. Bon, on va aller voir la dame pour qui on est venu à la base. C'est beau au Poudlard quand même, hein. On n'en parle pas assez. Hein.
Oh ouais, mais vraiment, c'est là où on arrive en première année sur les bateaux. On arrive, hein, bien sûr. J'étais dans le film à un moment donné, quoi. Ah, mais c'est bon, il y a tout le monde. Ouah, mec. Comment ça va, les gars? On est bien? On vous cherchait tous les deux. On a trouvé un endroit où l'AD peut s'entraîner. Vous ne faites rien d'interdit, au moins. On n'oserait pas, n'est-ce pas, Fred? Pas avec tous ces préfets dans le coin. On est juste en train de ranger des objets qui pourraient troubler certaines âmes sensibles. Comme Ombrage ou Ruzard. Tu veux bien nous aider? Il nous faudrait quelqu'un là-haut, dans le hangar. On te passe les boîtes, et toi, tu les mets dans les bateaux. Ce serait super sympa. Ah ouais. Du trafic, en somme. Attends, viens ici, toi. Monsieur? Allez, Harry, mettons les boîtes dans les bateaux. Ah, mais toi aussi. Les trafiquants, t'as peur, hein. Ah, Wingardium Leviosa, non? Ça marche pas. Cousy, hein. Attends, quoi? Ruzard adorerait nous attacher avec ça et nous jeter dans le lac. Bah oui, bien sûr. Il aimerait nous tuer, quoi. J'ai hâte d'oser, hein. Et voici Harry Potter. Il franchit la ligne de départ, il escalade les échelles. Non, mais c'est bon, on a compris que tu commentais le Quidditch. Par contre, calme-toi. Tu remets la bâche et c'est mission accomplie. Génial. Génial. Et comment on descend les trucs? Mets-les dans les bateaux. Ça y est. Voilà. Cool. C'est bon. Ça va être formidable. Formidable. Bon. T'as tout compris? Bah oui. C'est la passion du jeu vidéo, là. Je me sens passionné quand je joue à ce genre de jeu. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Ça y est. Génial. Génial. Maintenant, couvre la boîte avec la bâche. Génial. Génial. Faut me payer là. Là, je mérite salaire. Hein. Ça mérite une récompense. Que dirais-tu d'une petite démonstration? Attention, Ron et Hermione vont nous envoyer en retenue. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? Tu veux le savoir? Alors lance un réducto ou un incendio sur cette boîte. Ouais, et dis-toi que tu participes à nos recherches. Lance un réducto ou un. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. Tu vois bien que je peux pas bouger là. Mais pourquoi je peux pas bouger? La boîte me bloque. Au secours! Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Lance un réducto ou un incendio. C'était formidable. Merci, c'est sympa. Pas convaincu que ce soit formidable. Merci aussi pour ton aide dans nos recherches. Quelle recherche? Tu viens de prouver que les pétards marchaient aussi avec les imbéciles. On doit y aller. On se voit à la réunion de l'AD. 7e étage, salle sur demande. Cool. On y sera. Incroyable, on est à 14. Attends, j'arrive pas à les voir là. S'il vous plaît. Ah mais ils sont partis, ils se sont TP. Bah non mais... C'est honteux ça. Bon, on est à la moitié.
Bon. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Il s'est pas passé grand chose, on a juste trouvé des compagnons. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.